Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Sims 4. Donc, dans le 8, 6 bambins challenge, je vais devoir gérer 6 bambins. Pour commencer, donc voici déjà donc, la mère, donc celle qui va un peu subir tout ça. Mais bon, t'inquiète, on va être gentil avec. Non, je rigole, mais c'est pas grave. Et voici donc les 6 merveilles donc, que l'on va devoir gérer. Je vais pas vous les présenter, mais vous allez voir, on va très vite les connaître. Hein. Donc du coup, on va déjà commencer. Donc je vais un peu vous faire visiter la maison. Donc, on entre donc par ici. Donc j'ai rien rénové. Hein. Vraiment, j'ai juste une chambre pour les bambins, mais c'est tout. On a ici un canapé. Ici donc une cuisine. Voilà, petite kitchenette. La salle d'eau. Une salle d'eau. Donc la chambre et la chambre des bambins. J'ai imaginé ici qu'on mette que ce soit ici tout simplement les noms donc de chacun. Et je trouve ça pas mal. Et je trouve ça vraiment pas mal. Ok, donc ils vont commencer par tous aller donc dans la maison. Bon, je pense qu'ils peuvent y aller. Hein. Hop, voilà. Et on va commencer par cuisiner un repas. Voilà, déjà pour en avoir un d'avance. Donc on va cuisiner. Voilà, je pense vraiment on va cuisiner des toasts avec des œufs. Donc une portion de croûte. Voilà, ça commence déjà un petit peu à. Ça fait hyper peur, genre. Enfin. Waouh. Je trouve ça mignon, mais. Voilà. D'ailleurs, vous avez vu la nouvelle tranche d'âge, les nourrissons. C'est. Waouh. C'est quelque chose. Du coup, elle est en train de cuisiner. Par contre, ne dites pas qu'elle va foutre le. Ah non, non, c'est bon. Et du coup, je disais, est-ce que vous avez vu la nouvelle tranche d'âge? Parce que là, en soi, ils sont bambins. Ils sont bambins, mais... ouais, d'ailleurs, avec le pack Être Parent, on peut avoir des super possibilités. Donc, vraiment, achetez ce pack si vous voulez jouer avec les enfants. Oh non, ils commencent déjà à foutre le bordel, mais c'est pas possible. Donc voilà, avec le pack Être Parent, vraiment, on peut faire plein de choses. Mais du coup, je disais, avez-vous vu donc la nouvelle tranche d'âge, les nourrissons? Donc ça, c'est dans la mise à jour gratuite, mais évidemment, on en a un peu plus. Donc avec le pack Grandir Ensemble, donc je n'ai pas encore acheté ce pack. Mais je vais très prochainement l'acheter, parce que effectivement, ça pourrait très bien me convenir. Et en plus, j'aime trop la map et les nouveaux objets, donc voilà, ça pourrait être super. Du coup, alors, elle a fini de préparer à manger, mais c'est parfait. J'ai un peu contrôlé donc les besoins de chacun. Ouais, honnêtement, les besoins, ils vont pas mal. Donc, les besoins, ils vont bien. Donc, les besoins vont bon sens, c'est très bien. Mais on vient de commencer la partie, donc aussi, ce sera un peu dommage. Mais ça n'aille pas, hein, ce sera un peu plus beau. Et notre. Et donc, Jane, elle va. Comment elle s'appelle Jane, je vais très bien. Non, non, un peu. Truqué. Oh, c'est trop mignon, ils s'amusent ensemble, j'aime trop. Alors, du coup. Jane, non, ce que tu vas faire, c'est qu'on va t'acheter un ordinateur. Ici, on aurait la place de mettre un petit bureau. Voilà. Voilà. Et voilà. Ok, alors, donc, dans le mode vie. Donc, elle s'amuse. Donc, mais du coup, peut-être faire que tu fasses avec chacun. Parce que du coup, elle, t'as de très bonnes relations avec Clémence. Mais, ah, t'as de bonnes relations. Attends, par exemple, elle a un... Ouais, bon. Après, j'ai envie de vous dire, c'est un peu ses enfants, en soi. Regardez comme ça fait pas. Donc c'est un peu ses enfants en soi. Ah, avec Alexandre c'est pas de ouf. Donc on va peut-être du coup Alexandre. Allez. Oh, oh, oh non, c'était trop mignon. Oh, c'était beaucoup trop mignon. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Waouh, c'était trop mignon. Ah, on va lire Sim qui est enfant dans le verre, qui a enfant des émotions dans ce challenge. Ah bah oui, elle avait. Ah, ils ont tous. Ah, bah ils ont enfin tous des émotions, donc c'est assez cool. Ouais, par contre, ils sont un peu. Ouais, bah, ils ont peur de barrage, quoi. Il y a personne qui a faim. Ah, si, il y en a un, il manque de social. Ah, bah non, il manquait du social. Mais là, il en manque pas. Mais aussi, il a fait un câlin à sa soeur, donc j'ai envie de vous dire. Ça doit être pas mal. Ah non, c'est le comité d'accueil. Et on s'en fout du comité d'accueil, on termine plus tôt. Voilà, on termine plutôt, on s'en bat avec. Ouais, bon, alors, plus peut-être. Du coup, nous, on a peut-être des mauvaises relations. Je sais pas où on va aller. Ouais, avec Timmy. Bon, en vrai, Timmy, nous fait un peu à rien. Donc, on va...
Ah, attends, non, attendez. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est quoi ça? Mais sortez! Ah bah lui en plus il a fait que le bordel dehors, merci. Du coup toi tu vas aller nettoyer. Voilà. Allez, nettoie. Attends, c'est qui lui? Voilà, fin de contrôle. Rentre à l'intérieur, tu vas mourir. Je sens, tu vas mourir. Et toi, bon, nettoie-toi, j'ai envie de te dire, on s'en fiche un peu. Non, on s'en fiche pas parce que si on n'a plus Joy, c'est pas tout ça. Et ouais, si on l'a plus, cette jeune fille, cette Joy, et bien on n'aura plus fin de challenge parce que nos enfants nous seront retirés. Oh mais non, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, c'est pas croyable ça. Alors, Jane. Ouais, faut que t'ailles aux toilettes, donc tu vas aller aux toilettes. Faire caca en étant paniqué, oui, vas-y. Et donc, nos petits bambinos. Ah, il faut qu'ils aillent faire pipi. Ah, on n'a pas pris un pot. Le pot, il est là, je crois, mais je sais pas où il est. Jouer, décoration, activité, bambin. Voilà, il doit être dans bambin, sans doute. Ouais, il est là. Hop, voilà, on va prendre le pot. Et on va lui mettre... Bah, il est où le pot? Bon, bah, il est pas là. Hop, on va reprendre. Et on va le mettre, bah écoutez, on va le mettre à la vue de tous. Hein. Ils sont frères et sœurs, ils sont pas non plus la gueule, hein, honnêtement. Ok, du coup, lui il a envie de faire pipi, il va faire pipi. Ah moi j'ai un bug. Ah, aidez-moi pour le pot. Je peux pas aller sur le pot. Oh non, niveau 2. Et va passer au pot. Utilise une couche. On s'en fout. Utilise une couche. Parce qu'en vrai, je crois. Bah, il peut utiliser une couche. Il a écrit dessus. Ouais, il utilise une couche. Ah, ben, bah. On te gêne pas, j'espère, toi, là. Oh là là, il y a plein de bruit dans mon casque. Quelle horreur. Et puis, il y a du ciel. Ah, mais ça, on aime ça. C'est beaucoup trop mignon. Ouais, c'est trop mignon. Non, c'est beaucoup trop mignon. Mais du coup, j'ai rien à faire. Sachant que la nourriture qu'on a préparée au tout début, 3h31 avant péremption. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont le temps d'être affamés. Donc ça, c'est pas trop mal. Le problème, c'est que la faim chez les bambins, bah, ça remonte vite. Donc en vrai, je pense qu'on va tout... Attends, je vais faire une invitation. Voilà. Et puis les bambins, ils vont tous venir se prendre une portion. Parce que là, à ce que je sache, il y a tout qui va au niveau de la faim. Mais comme ça, au moins, on ne sera pas dérangé plus tard pour prendre 6 heures de faim. Mince. Allez, va prendre à manger. Voilà. Mais ouais, donc c'est un peu casse-couille, tout ça. C'est un peu casse-couille. Bon, alors, Jane, t'es pas trop fatiguée. Non, Jane, ouais, elle gère grave ses besoins. Bon, là, elle vient de manger, donc c'est parfait. Mais elle gère grave. Bon, là-bas, c'est un peu la couille. Donc ça, mais c'est pas mal. Oh, j'aime trop. J'aime trop, en fait. Je détestais... Attends, je me souviens m'occuper des bambins. Mais si ça se trouve, en vrai, je suis faite pour ça. Genre, vraiment. Je suis faite pour ça. On pourrait peut-être aller un peu dragouiller à droite, à gauche. Hein, parce que bon, il faut un peu qu'on s'occupe de la vie sentimentale de Jane, non? C'est trop bien, ouais. Judith Ward! Pardon? Judith Ward! Non mais ne pars pas, Judith. Attends. Judith, ne pars pas. Attends. Hop, voilà. Alors, on va... Vas-y, on tente de se présenter. On tente d'être amis avec une star quand même. Allez, Judith. Ah bah non. Elle a pas l'air de vouloir, cette espèce d'ingrate. Faut qu'elle aille pipi. Ah oui, faut qu'elle aille pipi. Mais non, au lieu d'aller... Va pas s'occuper de ton gosse. Va pipi. Va pisser. Non, je t'en supplie, va faire pipi. Non. Non, va faire pipi. Bon, et puis après, on nettoiera tout ça. Bon, nous, du coup, on va aller... Donc, une fois qu'elle aura fini de ranger, on va aller, donc... on va aller un peu s'amuser, on va aller jouer à Big Block. Voilà. Mais je vous rappelle que le challenge est bientôt fini car on a commencé à minuit dimanche.
et il faut qu'on batte, donc qu'on termine donc à minuit lundi. Donc en vrai, on a bientôt fini. On s'est fait retirer aucun bambin, on a eu aucune galère. Ah bah ouais, bon, en manque d'attention. Ouais, mais ça va. Bon, ça va, en manque d'attention, ils sont pas un peu de notre gueule, celui-ci. Enfin, t'as pas faim, t'es pas fatigué. Ah si, non, pas fatigué. Bah, ah ouais, il est fatigué, le pauvre. Ah non, mais non, il est pas fatigué. Bon, écoute, tu m'as saoulé. Hop, va dormir. Va dormir. Voilà, va dormir. Et toi, arrête de foutre le bordel. Bon, elle s'occupe un petit peu, donc c'est assez cool, on va dire. Mais bon, faut pas que ce soit le son sur les bambins. Alexandre n'est qu'un bambin sans défense. Les gardiens et d'autres signes du foyer devront s'occuper de lui. C'est où ça? Ok, ouais, donc on a des leçons. Ouais, on a des leçons. Ok, ouais, c'est... Ouais, bon, c'est la leçon de vie, ça. Ça, je... Qui lit les leçons sur les Sims? Moi, je lis jamais, jamais j'ai lu. C'est quand même assez bizarre. Ouais. Bon, allez, on a presque fini le chat. Ok, donc là, ils dorment absolument tous, donc ça, c'est cool. Ils dorment tous, donc c'est cool. Oh, lui, il dort d'une façon un peu bizarre, mais pas grave. C'est pas grave, donc il nous reste... Donc, attendez, s'il est 22h, il nous reste 2h de challenge. Comme c'est cool. C'est assez cool. Et du coup, elle, toi, arrête de jouer aux jeux vidéo, d'accord, merci. Ouais, même pas les jeux vidéo et arrête d'y jouer. Et va t'occuper de ta fille, parce... Ah, mais elle en manque d'énergie. Va dormir si tu en manques d'énergie, mais elle m'énerve. Ça, vous voyez, ça m'énerve, je sais pas. Ça m'énerve. Toi aussi, va dormir pareil. Alors. Merci. Merci beaucoup. Allez, il nous reste plus beaucoup de temps, vraiment. Elle, ah ouais, mais elle est pas fatiguée, donc c'est bon. Mais va dormir quand même, parce qu'il est quand même tard. Quand même tard, donc va dormir. Voilà, donc on a presque, on a fini ce challenge. Bon, en vrai, c'était assez cool. Donc, j'essaierai, donc... j'essaierai de, bah évidemment, de faire sur un peu plus longtemps. Mais voilà, cette vidéo est du coup terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, donc à vous abonner en activant la petite cloche. Et du coup, et ben écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.